Sweet Home, ça, c'est ça le nom de l'agence. Oui, ok, je vais penser à échanger, oui, ok. Je suis heureux de recevoir Angie aujourd'hui, qui est sans doute la reine de l'immobilier de Belgique, non seulement de Belgique, mais d'Europe, on va dire. Oui. On va pousser jusqu'à Europe. C'est vrai, parce que tu as vendu des propriétés un peu partout. Oui, oui, et bientôt aux États-Unis, en Italie aussi. Et bien donc, j'ai raison ou j'ai pas raison? Toujours, Julien. C'est la reine. Et donc, une fois n'est pas coutume, je vais demander à mon propriétaire d'organiser la visite guidée. Comme ça, moi, on échange nos rôles. On suit, voilà. Je suis en vacances, 5 heures de voiture, j'ai fait. Je ne saurais pas définir le style d'ici. C'est quoi le style? Angie, toi qui vois les maisons tous les jours. D'abord, la première chose qui saute aux yeux, c'est que cette maison est décorée avec énormément de goût. On voit que malgré le fait que plusieurs styles sont mélangés, donc le rustique, l'empire, le napoléonien, c'est fait avec beaucoup de goût et donc tout est harmonieux. Ça me fait plaisir. Attends, ça fait plaisir. Oh, c'est bon comme compliment, c'est bon, je le prends. Je le prends, tout est harmonieux. Ici, je ne passe pas une seule journée sans que je fasse une heure de piano. Le piano, inévitable dans tout. Dans toutes les maisons, c'est une vie, un piano et une guitare dans une maison. En passant, simplement, il sourit. Je l'adore, Angie. Mmh. Le premier voisin doit être à 300 mètres. Et l'autre jour, j'ai discuté pendant une demi-heure avec un coucou. Coucou, coucou, voilà, c'est bon. Coucou. Et je lui répondais, coucou. Et coucou, coucou. Et ça a duré pendant une demi-heure. La cheminée, l'âtre. Alors l'âtre, mesdames, messieurs, des petits angelots, toujours de la même facture, la même provenance, ma maman. C'est un bain de nature. Ceux qui veulent respirer ici, c'est l'air qui vient directement de quoi? De l'océan Atlantique, de la Manche et tout ça, des États-Unis, qui vient et qu'on respire. Je n'ai jamais, Angie, je te regarde droit dans les yeux, et je n'ai jamais dormi aussi bien qu'ici. Ici, le tabernacle. Waouh! Alors là, le tabernacle. Les 7 dents, les petits gars! La conversation qui roule, mon Dieu! Tout à fait. Une petite tasse de thé. Non, pardon, Angie. Une petite tasse de thé. Évidemment. Bien, mes amis, écoutez, je crois que pour l'intérieur, c'est à peu près tout. On va aller se promener. 275 mètres carrés. Déjà traduit, 275 mètres carrés pour les Belges. Non, 275 mètres carrés. 275 mètres carrés pour les Belges. 275. Déjà, l'entrée est sublime. Hein. Barrière blanche, les lisses, les clôtures. Il y a 300 mètres de chemin. Avant d'arriver dans la propriété. Qui est à vous, hein, le chemin est totalement à vous. Ce corps de bâtiment-là est très intéressant, très important. Il fait 400 mètres au sol. 400 mètres carrés au sol. Multiplié par le grenier. Vous pouvez donc réhabiliter 800 mètres carrés. Donc, on pourrait aussi en faire appel à des éventuels investisseurs pour faire un gîte. Gîte, ce que vous voulez, un loft, un studio de danse, un studio d'enregistrement. Oh, trop bien. Des chambres, ce que vous voulez. Banquet, des mariages, oui. On peut faire des events, il y a de quoi mettre. Faire des events, ouais, exactement. Ouais. Et la petite tour m'intrigue, là, Julien. Elle t'intrigue, allons-y. Allons à la tour. C'est du bois. Je range mon bois. Dans la tour. Il ne se passe rien du tout. Okay. 300 mètres ce chemin, donc de l'entrée, et il est à toi. Mmh. Où les toitures sont impeccables. Toutes les toitures ont été refaites. C'est très important, évidemment, les couvertures. En Normandie, la toiture, c'est capital. Mm-hmm. On a percé ces quatre fenêtres, quatre chiens ici. Ce qui sera bien, c'est pourquoi faire pareil. Bah, voilà. Si on fait pareil ici, t'en mets 5-6. On fait des chambres. Hein. Et ça t'ouvre tout, tu fais des chambres. Et alors, les parties de foot ici, comme tu peux pas t'imaginer. Je suis venu en hélicoptère plusieurs fois, deux, trois fois. Allez. Oui, hélico, je vais te montrer des photos. Attention, tout le monde est prêt. Angie, vous êtes prête? Oui, Julien. Angie, c'est sûr? Oui, Julien. Attention, voici la question.
D'un départ, je suis une propriété basée dans l'Orne. Dans l'Orne, pas loin d'Argentan, pas loin du Merlerot. La propriété fait, la surface habitable fait 275 mètres carrés. La surface totale fait 1 hectare 4. J'ai 5 chambres, cuisine, salle de bain, salle d'eau. Il y a aussi un grand corps de bâtiment qui fait 400 mètres carrés. Je suis, un particulier. Oui! Mais c'est ta maison, Julien! Bonne réponse! Merci! Ça, c'est beau! Ça, c'est du beau travail! Qu'est-ce que j'ai gagné? La maison de Julien Lepers. Eh bien, cette maison, nous procédons à la mise en vente au prix de 499 000 euros en belge et 499 000 euros en français. Pas cher. N'hésitez pas à appeler l'immobilière du centre au 00 32 064 28 28 60. À très bientôt, j'espère! Voilà, j'inspire Julien, les gars. Tu es le vent, tu es le feu. Tu es sans doute ce que j'ai de mieux. Et s'il fallait t'oublier, je ne préfère pas y penser. That's it. Je viens du sud. Tu viens du nord. Je viens du nord, je viens du sud. Pour moi, c'est exactement pareil. That's it. Je ne fais aucune différence. Eh bien, voilà. Que tu viennes du nord. Ou du sud. Ou du sud. Il n'y a aucune espèce de différence à ça.